Le prince Harry et Meghan Markle sont partis une dizaine de jours entre fin septembre et début octobre pour un royal tour en Afrique du Sud. Archie était également bien évidemment du voyage. Un documentaire sur ce voyage a été dévoilé. On peut y découvrir un moment trop mignon entre la duchesse de Sussex et son fils. Le prince Harry porte le petit garçon dans ses bras. Meghan Markle s'approche alors d'eux et fait un tendre bisou sur la tête du petit garçon, âgé de 4 mois, et lui caresse tendrement le crâne. Un beau moment capturé par les caméras qui suivaient le couple. Le voyage a été long et fatigant pour Archie. Mais ses parents avaient fait le nécessaire pour ne pas le perturber, raconte Omid de Scobie et Maggie Rulli, tous deux journalistes pour Royal Confier. Ils ont évidemment emporté tout le confort domestique nécessaire. J'ai entendu dire qu'il avait emporté beaucoup de jouets avec eux. Ça donnait à Archie l'impression de n'être parti nulle part. Si est-il aussi pour cela que la duchesse de Sussex n'a pas effectué certains déplacements, elle voulait qu'Archie soit à l'aise en toutes circonstances. Si est-il pourquoi Harry a effectué ses propres voyages. Point, Archie a eu de la chance de prendre son petit déjeuner tous les matins avec une vue magnifique sur la montagne de la table. Apparemment, Archie regardait cette vue incroyable par la fenêtre.